OK, je partage mon écran. On commence à travailler sur les murs. On fait les murs de fondation en premier lieu. J'ai mon logiciel est ouvert. Je pourrais-tu réduire ça? Les icônes. OK. C'est mes icônes de Zoom. On fait les murs, puis on commence avec un mur de fondation. Architecture, mur. Oh, c'est bien. On a des murs. On a plusieurs murs. Si on clique la flèche, on peut aller choisir le mur qu'on veut avoir, qu'on a besoin. Ici, il y a des murs qui ont un numéro devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est des murs que moi, j'ai faits. Les murs que le logiciel fournit sont là. Foundation, 300 mm, concrete. Nous, on fait nos projets en impérial, donc on le fait en pouces ou en pieds pour faire un mur de fondation de 10 pouces en béton coulé. Voici le mur. J'ai choisi le mur. Puis là, je pourrais dessiner le mur. Mais je veux vous montrer un petit peu les paramètres de ce mur avant de simplement juste mettre un mur n'importe où. Première chose, comment j'ai fait pour faire ce mur-là? J'ai commencé, je suis allé choisir un mur qu'il y avait déjà là, dans le logiciel, un mur de fondation de 300 mm. Ça, c'est environ 12 pouces. Et j'ai choisi ce mur-là. J'ai choisi ce mur-là, puis je l'ai modifié. Donc, j'ai fait ça. J'ai choisi un mur. J'ai choisi celui que j'ai déjà modifié pour simplifier la chose. Modifier. Puis, quand on veut celui qui était là déjà, j'ai fait une copie. On fait toujours une copie. On ne veut pas changer les paramètres des choses qui sont déjà là pour maintenir la consistance du logiciel. Vous, si vous voulez, vous pouvez faire une copie de ce mur que moi, j'ai fait. Vous pouvez changer le nom. Dans ce cas-ci, ça serait genre, vous pourriez dire, ben, moi, je vais avoir un mur de 12 pouces au lieu de 10 pouces. C'est un peu épais, mais si, pour une raison ou une autre, si un autre de vos professeurs dit que vous devez avoir un mur plus épais pour une raison quelconque, mais vous savez comment changer, modifier le mur. Je choisis un mur plus épais. Ça, c'est juste le titre. Maintenant, je dois vraiment changer ses paramètres, modifier les paramètres. Présentement, il est de 10 pouces. Je dois le mettre de 12 pouces. Je fais OK. Puis j'accepte. Disons OK. Maintenant, j'ai créé un nouveau mur qui est très similaire à celui-là. Il y a seulement une épaisseur différente. Voilà. Je veux regarder encore une fois le mur un petit peu. Je n'ai pas besoin de faire je fais pas des modifications, mais je veux juste pointer la ligne 1 qui dit limite de la couche. Ah, peux-tu voir c'est quoi le vrai nom? La couche principale. En fin de compte, c'est ces deux lignes grasses-là, c'est la surface intérieure et extérieure de la partie structurale du mur. Vous voyez, côté extérieur. Donc, 1, c'est la surface extérieure structurale. 2, c'est le mur lui-même. Puis la 3, c'est la surface principale, donc la côté intérieur du mur au niveau structurel. Là, on a juste un matériau, ce n'est pas très évident. Je vais aller ouvrir un autre matériau qui a plus un autre mur qui a plus qu'un matériau. Voilà, le mur du rez-de-chaussée. Je fais la même chose, je regarde pour le modifier. Je peux changer de nom si je veux, puis je peux changer les matériaux. Je ferai toujours si je veux changer quelque chose dans ce mur-là, je vais faire une copie pour le modifier après. Donc, duplicate, change le nom. Même si c'est juste un 2 à côté ou tes initiales, c'est parfait. Là, tu feras une modification. Puis là, on voit ce mur-là, il y a beaucoup plus de. Il y a 17 finis. Un fini intérieur, un fini extérieur qui est en briques, un espace d'air, une membrane, un rigide, un contreplaqué. Et voilà, la ligne 6 et la ligne 8, c'est la surface de la structure intérieure, extérieure et la surface de la structure extérieure. Ces points-là sont importants. Et ça, tu peux déplacer les objets. Disons, je prends le contreplaqué, je pourrais descendre dans la partie structurale. Mais moi, je ne voulais pas, là, parce que le contreplaqué, dans mon cas, je ne veux pas que le contreplaqué soit la référence. Alors, quand on construit, on construit une charpente, les dimensions de nos dessins sont toujours basées sur la charpente parce que
La charpente, c'est la première chose qui se fait construire quand on fait des planchers et des murs. Donc, les autres matériaux sont attachés à la charpente. Donc, les dimensions sont sur cette charpente. Voilà pourquoi les deux références-ci sont importantes. OK. OK, je n'ai pas fait de modification dans ce dernier cas. Je vais chercher mon mur de béton de 10 pouces. Mais hop, j'ai mon plan du rez-de-chaussée. Je veux dessiner ça sur mon plan du sous-sol. Fait sous-sol. Puis je veux dessiner mon mur. Je dois retourner. J'ai perdu ma référence. Mur de béton de 10 pouces. Je suis sur le plan du sous-sol. Puis il y a d'autres activités. Chose importante, j'ai le sous-sol. Je m'assure que mon mur commence du dessus de la semelle. Je pourrais la modifier, mais je peux le commencer à un autre endroit. Mais le mur de fondation est sur la semelle et se termine où? Il va se terminer sur, pas sur le plan du sol, mais sur le plan du dessus du mur de fondation. Voilà. J'ai établi sa profondeur, commencer sur la semelle, puis finir au niveau du mur de fondation. Puis les autres choses que je viens juste de vous mentionner, voilà. L'axe du mur, ça voudrait dire le centre du mur, peu importe les matériaux, tous les matériaux ensemble, donne-moi le centre, incluant les filles. L'axe porteur, voilà. Le centre du mur porteur. Dans mon cas ici, c'est un mur de béton qui est 10 pouces. Donc, c'est le centre du 10 pouces parce que le mur de béton est dans les deux limites grasses, là. Le fini intérieur-extérieur de la structure qu'on vient juste de regarder. On pourrait regarder le fini extérieur, l'extérieur porteur et l'intérieur porteur ou l'axe porteur. Simple, hein? Lequel qu'on choisit. Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut. Dans notre cas, on a juste un matériau, fait que, y a trop d'informations ici, là. Le centre du mur, l'axe du mur, l'axe porteur, c'est la même chose. Le fini intérieur et la porteur intérieure est la même chose. Et le fini extérieur et la porteur extérieure, même chose parce qu'on a juste un matériau. Donc, je vais commencer à choisir celui-là. Puis, je veux faire mon mur. Il commence à bonne place. Je le fais ici. Là, je peux regarder de près. Si jamais il n'est pas sur le bon côté, parce que si je m'en vais par là, il peut être à l'extérieur, puis je m'en vais par là, il est à l'intérieur. Je pourrais simplement cliquer l'espace sur mon clavier, ça fait changer de côté. Je vois là, je pourrais changer là, pour aller chercher l'intérieur, mais c'est trop complexe. Si je ne veux pas changer ça à chaque fois. Je le fais tout à l'intérieur. Comme ça. Voilà. Et là, je peux cliquer dessus, puis le déplacer pour le mettre centré parce que je veux avoir 5. Oh, pas 5 pieds. M'excuse. Je suis une petite erreur. Clique le mur. Ce qu'on veut déplacer, on le clique. Je fais un déplacement move. Je clique mon écran, puis je dis dans quelle direction. Mais ce n'est pas 5 pieds. C'est 0 pied, 5 pouces. Encore une fois, clique l'objet, clique le symbole pour déplacer, je clique l'endroit que je veux comme référence, puis je fais 0 pied, 1 pouce. Voilà. Ça marche? Ça marche. Quoi d'autre? Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a fait en élévation. Élévation. Élévation, voilà. Élévation de la rue. Ça marche, élévation de la rue. Puis, je ne vois pas très bien. Je vais changer au lieu d'avoir un. Je vais appeler ombragé. Voilà, je vois mon mur. Puis, je peux choisir cet élément d'élévation-là, le petit point. Puis, je pourrais déplacer un peu vers l'intérieur pour que ce soit plus près. Maintenant que je sais où que je vais dessiner, je vais rapprocher les niveaux. Voilà, sont attachés. Je peux même prendre les dimensions, puis les déplacer vers le centre un peu. Puis je fais la même chose de l'autre côté. Ça, c'est l'élévation. Dans la façon que je l'ai dessiné, ils sont tous là, les quatre ou six
maison, mais on en fait seulement qu'une pour le moment. Puis on regarde que c'est quoi. Oh, j'aime pas ça quand c'est pas animé. Je clique ça. Vous voyez la ligne pointillée verticale ici? Si vous la rapprochez, elle va s'attraper. Elle veut pas, on dirait. Bon, ben, je ne m'attendrai pas trop là, parce qu'on va la reprendre une autre fois. Mais si les points, par exemple, ici, quand on les amène proche, ça frappe. En tout cas, ça marche. Voici notre mur. Puis regardez, on a commencé sur le dessus de la semelle, puis on a dit qu'il allait se terminer sur le dessus du mur de fondation. Puis si on met une dimension, de là à là, c'est 8 pieds. Donc, on a fait ce qu'on voulait. Je peux regarder en 3D pour m'assurer que tout est bien, qu'il n'y a pas d'autres objets dans l'espace que je ne veux pas avoir. Voilà. Voilà le mur de fondation.